Vous allez voir les connards qui sont vous leur dites si vous ne pas laisser tomber. Je sais, mon ami. Je sais. À un moment, faut nous rejoindre. Ça fait deux ans. À un moment, vous portez vos couilles. Ne vous inquiétez pas. Nous, on se fait baiser. Voilà. Est-ce qu'on n'aura plus de travail? Qui c'est qui va te payer? Voilà. Qui va te payer? Je sais. Je sais. On a avec la vie. Vas-y, arrose-moi. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans cette rue-là? C'est quoi le mot d'ordre? Ah, ici, nous sommes à la direction de la propreté de l'eau à Paris, 13e arrondissement, suite à un mouvement de grève que nous avons décidé de mettre en place contre la future réforme de la fonction publique. C'est-à-dire, une loi a été votée en 2019 pour casser le service public grâce à Madame Hidalgo, qui a été réélue. Elle a la liberté administrative d'appliquer cette loi. Cette loi aurait dû être mise en place à compter du 1er juillet 2020. Ça a été repoussé. Et là, le Conseil de Paris se réunissant le 18 novembre, nous avons décidé de mettre en place ce mouvement de grève très soutenu pratiquement à 99% de nos agents de la ville de Paris, que je souhaite remercier fortement, sachant que je suis délégué donc à l'atelier 14-5. Tous les ateliers sont ici, là. Apparemment, les gilets jaunes sont venus nous rejoindre. Ce n'était pas le but, d'accord, puisqu'il y a des feux de poubelle, on n'a pas demandé ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi? Qu'est-ce qui ne va pas? À partir du 1er janvier 2021, la fonction publique va être scindée en plusieurs morceaux. En gros, suppression de 10 jours de congé annuel, 11 RTT. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 journées de 9 heures, nous allons en faire 3, voire 4 sur la même semaine, sans augmentation de paye. Le droit de grève va être mis en cause, c'est-à-dire il va falloir prévenir l'employeur 48 heures à l'avance. Ensuite, il n'y aura plus de CHSCT, il n'y aura plus de CAP, c'est-à-dire pour les nominations des éboueurs en fonction de leur ancienneté, ce n'est plus nos syndicats qui vont décider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de choses. Toute la fonction publique va être remise en cause, sachant qu'il n'y a pas que les éboueurs et les égouttiers, il y a également tous les gens qui... Tout le service public de la ville de Paris est concerné. Donc là, vous bloquez le bâtiment qui est derrière vous, expliquez-moi. Tout à fait. Alors le bâtiment qui est là sur ma droite, c'est la direction de la propriété et de l'eau, où il y a un nouveau directeur depuis peu qui, comme par hasard, était l'ancien directeur de la SNCF, qui a tout remis en cause également. Et là, je pense que ça ne va pas passer. Donc tout à l'heure, nous avons eu une mini-assemblée générale effectuée par notre responsable syndical. Et un vote à main levée, nous avons décidé de rester sur place, dans le sens où il nous a dit, voilà, il y a des risques, il est préférable que vous descendiez. On a dit non, un vote à main levée, on est 100% solidaire pour rester donc à l'étage. Voilà. En bas, il y a les gilets jaunes qui vous ont rejoint. Alors, moi, j'ai pas trop suivi le mouvement gilets jaunes, sachant que là, ils sont à leur deuxième anniversaire, je crois, ou leur premier anniversaire. Je pense pas que ça soit une bonne chose, dans le sens où, effectivement, ils ont des revendications aussi. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, c'est le service du nettoiement de la ville de Paris. Les égouttiers, les Parisiens veulent avoir Paris propre. Il y a la moitié des arrondissements qui sont gérés par le privé.
Le reste est géré par ce qu'on appelle la gérie, donc la régie, la mairie de Paris. Et les prestations ne sont pas les mêmes, du tout. En gros, pour vous expliquer très rapidement ce qui se passe, c'est que le privé, eux, ils passent le soir. D'accord ? Donc ils font la collecte des ordures. S'ils ne ramassent pas tout, les rats prolifèrent. Il y a des gens qui fouillent dans les poubelles, donc il y a des déchets au sol. Alors que nous, le nettoyage est fait, le ramassage des ordures est fait le matin. Et l'après-midi, nous nettoyons les rues, ce qui fait que toute la journée, les rues de Paris sont propres. Le soir, avec le privé, le problème, c'est que comme ils font la collecte de soirée, la nuit, obligatoirement, il y a des déchets qui restent en haut au sol. Et si les gens, les passants arrivent et autres, obligatoirement, les rues ne sont pas propres. Ou c'est géré par le privé, bien sûr. Le fait que les Gilets jaunes vous soutiennent, là, vous trouvez que c'est une bonne chose d'être content? Oui et non, parce que j'ai peur que ça dégénère. En l'occurrence, oui, les feux de poubelle. Bon, effectivement, on a acheté des prospectus et autres, mais il n'y a aucune dégradation du mobilier urbain et du service public. En l'occurrence, les conteneurs là qui brûlent, ça fait partie du service public. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Bah, tout simplement, c'est les éboueurs et les égouttiers de la mairie de Paris. Donc, fonction publique, je ne parle pas, mais on n'est pas du privé. Fonction publique qui manifeste par rapport à leurs conditions de travail qui sont déplorables, leur salaire, les conditions de travail dans les ateliers, surtout en cette période de Covid. Hein, donc, ce n'est pas évident pour le personnel de travailler dans de bonnes conditions. Donc, vous savez, c'est les fameux invisibles, ceux que l'on ne voit jamais le matin. Voilà. Donc, et en même temps, on refuse ce que prépare la mairie de Paris sur l'avenir. C'est-à-dire 11 jours de suppression de GRTT, 8 jours de CA. Les CHSCT, les CAP ne serviront plus pratiquement à défendre le personnel. Déjà ça, une nouvelle sanction, et voir dans l'avenir, au niveau de la privatisation, ben le personnel irait chez le privé s'il refuse le licenciement. Sur le Covid, expliquez-moi, qu'est-ce que sont vos craintes? Qu'est-ce qui ne va pas? Disons que les gestes barrières dans un atelier ne sont pas vraiment possibles. Donc les ventilations ne sont plus aux normes. Donc voilà, donc dans un atelier, lorsqu'il y a 20 gars ensemble pour travailler, c'est pas évident, surtout lorsqu'ils reviennent. Juste barrière, pas possible, c'est-à-dire, expliquez-moi. Bah, voilà, donc on leur dit de venir là. Par exemple, il y en a qui commencent à 6h, d'autres qui commencent à 6h20, et ainsi de suite. Donc c'est pas évident pour eux de pouvoir aller déjeuner à la pause. Tous ensemble, comme il se faisait avant. Et puis, la ventilation n'est pas vraiment au top, parce que c'est beaucoup d'ateliers qui se trouvent en sous-sol. Vous avez des masques, des gants, comment ça se passe? Oui. Là, il y a des masques, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour la protection du personnel.